sucré. Chers téléspectateurs, je suis la seule de tout le pleu. Vraiment, je suis très heureuse ce soir d'être avec un artiste qui est vraiment connu, que tout le monde connaît, qui fait du variété. Et là, vraiment, c'est une fierté pour moi. Mais pour vous avoir vraiment sur l'antenne, c'est pas facile. Parce que vous êtes toujours parti. Oui. Soyez les bienvenus alors. Merci beaucoup à vous. Oui. La seule lors de tout le plaisir. Merci. Bon, chez nous, en pays, ouais, quand un étranger arrive, on lui donne un peu d'eau d'abord. Mmh. J'espère que vous êtes déjà servi. Oui, aussi. Et la deuxième question aussi, c'est pour vous dire quel bon vent qui vous amène dans ma maison ici ce soir. Bon, il n'y a rien de grave. Comme j'attendais parler de vous, voilà, J'ai un petit souci. Donc, vous avez entendu parler de moi, qu'est-ce que je vais faire? Vous donner plus de conseils, ouais. Côté famille, les entourages. Donc, moi, je cherche toujours à unir voilà. Les gens. Donc, il a décidé de venir vers la seule loi de tout le plaisir pour qu'elle puisse me donner plus de force. Merci beaucoup. Dans ma vie privée. La force, c'est à Dieu. C'est lui qui donne toujours la force. Ouais. C'est lui qui nous fait coucher. C'est lui qui nous redresse. Donc, avant de commencer, il faut dire merci à Dieu. Ah ouais. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire sur la terre. C'est ça. Celui qui ne croit pas en Dieu, tu te fous de toi-même. C'est ça. Donc, merci d'abord à Dieu. Merci. Parce que ce n'était pas fait. Depuis 2 mois, j'étais à ta recherche. Dieu, merci au moins. Bon, vous êtes rentré dans la belle maison. OK. Donc, bonne arrivée. Merci beaucoup à vous. Mm-hmm. Donc, je vous écoute pour le goûter. Bon, il n'y a rien de grave. C'est grave même. Ah bon? Parce que J'ai décidé de former ma vie avec une fille, une jeune fille. Mm-hmm. On a commencé à l'école primaire. À l'école primaire, c'était gars-go, on n'avait pas de relation ensemble. C'est à partir du 6e, on a commencé à avoir des relations. Mm-hmm. J'ai duré elle-même. Vous avez commencé les relations. CM2. Au CM2, ça a commencé. C'était amusement, gars-go. Dans l'amour, il n'y a pas amusement. Bon, on a commencé, mais il n'y avait pas de relation. Couillement, c'est couillement, on ne s'amuse pas dedans. C'est ça, je vous l'ai dit là. Il n'y avait pas de relation au CM2, on était des mineurs. Mm-hmm. À partir du 6e. Vous jouez ensemble. Voilà. Mais de temps en temps, tu soulèves ses jambes, quoi. Je ne soulève pas, mais c'est que si on s'embrassait un peu, mais il n'y avait pas de relation. On s'est affiché tellement au quartier. Les parents et les tontons même prenaient exemple sur nous. Ah, ce couple-là, bon, ils sont chics, ils ont duré ensemble. On a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4e année, on a eu une fille. On a une avec fille. Ta copine, là. Ma copine, là. Ah, là, c'est bien, là, voilà. C'est que vraiment Dieu vous avait unis ce jour-là. Ouais, c'est un gourou. Oui, mais les gourous, sont très efficaces. Voilà, donc on a eu une fille de 4 ans. C'est dans ça que je faisais mes spectacles, mes voyages. Moi, ce qui me fait mal, maman. S'il vous plaît, je ne suis pas la maternité qu'on m'appelle. Maman, c'est dehors. Là, sur mon antenne ici, c'est la seule loi de tout le plus. La seule loi de tout le plus. C'est voilà. Qui me fait tellement mal. Mm-hmm. Tellement que je me suis affiché avec la fille. Je ne pouvais pas aller. Dès que il m'a dit, c'est une fille du quartier. Ah, ma chérie, comment? Non, toi, t'es marié. Donc, ça m'a donné la force encore de rester plus fidèle. Parce que souvent, nous, les garçons, souvent, on peut déraper. Mais tellement qu'il me suis affiché, elle, à la maison, tout le monde, mes entours, on nous connaissait partout. Mm-hmm. Je ne pouvais pas déraper. Elle aussi, là, elle était comme ça. Mais la dernière minute, 4e année, elle a commencé à changer de comportement. Tu as fait quoi? Pour rien, hein, tout ce que tu entends, et tous les belles tu donnes. Mais et puis elle va déraper. La seule loi de tout le plaisir. Femme, même si tu fais 1 million à femme. C'est pas vrai. Si elle va te tromper, elle va te tromper. Non, c'est pas vrai. Une femme qui te trompe. Si elle fait quelque chose, excuse-moi. Une femme qui va te tromper, tu vas beau faire la femme. Si elle t'a trompé, dis aussi qu'il y a quelque chose. Parce que moi, la seule heure aujourd'hui, regarde comment je suis aujourd'hui. Quelqu'un va me prendre, il va m'entretenir, il va faire peur. Et puis, je vais le tromper. Vous savez qu'une femme là, rien ne leur suffit, non? Si tu veux là, faut t'asseoir. Chaque jour, elle faut. Mais moi, avec Onyankouri, si c'est pas la mort qui nous laisse séparer. Si elle veut te tromper. Et puis, les femmes, la nouvelle génération là, c'est pas nos mamans d'avant-avant. Hein. Donc, toutes les générations, elles trompent les gens. Tiens, maman, attends-moi là. Non, c'est que toi-même, tu es un trompeur aussi. Tu es un trompeur aussi. Toi, maintenant, tu tombes. Tout le monde, faut pas. Je t'ai dit qu'il ne faut pas mettre les gens en général. Non, c'est pas de ma faute aussi. Tellement qu'elle m'a blessé, moi, je vois les filles de nouvelle génération. Quand tu dis qu'il faut parler d'elle-même, ensemble. Excuse-moi. Parce que je suis déjà découragé des femmes même. S'il te plaît, il faut qu'on cause pour qu'on puisse s'entendre. Okay. Mais si on cause dans le bruit, parce que ça, c'est une télévision qui est pour le monde entier. Okay. Tout le monde écoute, tout le monde suit. Okay. Donc, il faut laisser, j'ai fini de parler, vous parlez. Okay. Mais si on veut parler dans le bruit, on ne pourra pas savoir qui parle ou qui ne parle pas. Okay. Si elle t'a trompé, c'est pour son gourmet que tu es venu m'expliquer. Mmh. Attends que la seule heure de tout le pleut et je vais avoir une solution pour te remettre ça. Mais si c'est pour parler des femmes en général,
Il ne faut pas agresser tout le monde. C'est pas, tu n'as pas marié au moins 50 femmes par jour. C'est ma faute aussi, comme ça m'a beaucoup touché. Ah, mais si ça t'a touché, il faut aller réparer là-bas au lieu de venir ici. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai eu une fille de 4 ans, elle. Oui. Moi, ce qui m'a fait plus mal, tu peux me tromper en dehors de mon quartier, avec mon propre ami. Les gens, parce que quand je vais en spectacle, on m'appelle, ah, Becky, ah, j'ai vu ta femme là, avec ton ami là. Ils sont dedans là, c'est pas clair. Il dit non, c'est rien, j'ai confiance en elle. C'est que même, il a fait 4 ans, et c'est moi-même, je l'ai fait truc, elle peut pas me faire ça. Oui. Elle sait très bien que non, on est connu au quartier. Même si elle est cachée dans un couloir, ben, on sait que non, ah, Becky, ta femme a passé de l'autre côté. Donc, il me dit que c'est rien. Donc, moi-même, j'ai fait mes enquêtes. J'ai invité ma femme. Il dit, bébé, allons, on va s'amuser un peu. On arrive au maquis, c'est maintenant le show va commencer. Elle me fait croire que, malgré que j'ai fait enfant et toi, ses parents habitaient juste à côté de nous. Elle me fait croire que non, mon père m'a appelé urgentement à la maison, à minuit, où le show est devenu chaud. Mon père m'a appelé à la maison. Ton père t'a appelé. Il dit, ok, comme ses parents, il faut rentrer. Mais tu n'as pas accompagné une femme que tu as fait enfant et que vous êtes venu dans un coin, c'est chaud. Je l'ai pas ma femme, vous pouvez vous déplacer. Non, le maquis n'était pas loin mais au moins tu pouvais l'accompagner. Je l'accompagne, mais je ne suis pas arrivé loin. Parce qu'il me dit que non, elle est revenue. Mm-hmm. Le maquis n'était pas loin. Elle ne vivait pas avec toi, alors. Elle vivait, moi, mais la maison familiale, elle, sa maison familiale était juste à côté. Mm-hmm. Elle dit, mon père m'a appelé. Elle dit, à la nuit, là. Si c'est moi, tu accompagnes jusqu'à elle rentre devant toi. J'avais confiance en elle. Mais c'est confiance en qui? J'avais confiance en elle. Il me dit, bon, c'est au quartier. Et puis le maquis n'était pas loin du quartier. Donc il a accompagné, il s'est arrivé juste derrière. Puis mes amis m'attendaient au maquis. Donc, que je suis retourné au maquis, il y a une voix qui me parle, qui dit, ah, Becky. Et c'est ceux qui ne sont pas l'appelés. Essaye de la suivre. Dans ça, j'ai fait les 100 pas, 100 pas. J'arrive. Mon ami, que les jeunes du quartier, les parents du quartier m'ont dit, ah, toi, ton ami là, il n'est pas clair, il y a ta femme là. Moi, je le trouve à 1h du matin, devant la porte de mon ami, dans un petit couloir noir, ils sont en train de causer. Mais c'est le père là qui l'a appelé, là. Voilà. Donc, ce n'est pas le père, c'est mon ami là. Mais c'est ça, ah, mais ton ami, ce n'est pas un garçon aussi. Ok. Ah, mais c'est ton même papa qui. Donc, c'est dans ça, il me s'est arrêté. Il y a une voix qui me dit que non, tu la regardes et puis tu quittes là. Il y a une voix qui me dit aussi que non, salut. Genre, de les saluer. Pour que voilà. Tu en saches que je les ai vus. Pas moi, je ne suis pas dans on dit. Tu as trouvé la personne, tu dis bonsoir, monsieur, dame. Il les a trouvés, elle était de dos. Donc, elle a salué. Elle dit bonsoir. Dès qu'elle m'a vu, elle a tiqué. Le gars aussi, il a eu honte de me regarder. Parce que c'est mon ami. Ils n'étaient pas en train de se couiller, mais ils étaient levés. Donc, j'ai cru en même temps que non, tout ce que les gens racontaient. C'était la réalité. Il dit, maman, la soeur lors de tout le pays, mais si le tout au maquis, la bien-aimée, il voit ça en bissam. Il voit, mais ça ne passe pas. Dieu merci aussi, Dieu t'a vraiment touché le cœur. Tu n'as pas fait le tapage, tu n'as pas fait du bruit, tu t'es retenu tranquillement comme un enfant. Je me suis maîtrisé. C'est très bien ça, je suis très d'accord. Par exemple, en faisant le tapage, la honte, t'avait fait, il allait te botter même d'abord, toi-même, qui a ta soeur, il allait te frapper bien, et puis après, c'était cadeau. Il ne pouvait pas me frapper. Tu le moins aussi. Tu ne peux pas me frapper. Mon ami garçon ne peut pas me frapper. Mais puis tu as sorti ma femme. Et puis tu es un robot. Tu ne te frappes pas. C'est une naissance de là. L'endemain. Mais après, quand tu l'as vu, l'endemain, est-ce qu'elle est venue à la maison? L'endemain, elle a eu honte de venir. Elle est restée chez ses parents. Ma fille est restée. Quand elle a eu honte de venir, toi, tu as surpris les filles. Quelle a été ta réaction dans la cour familiale? Tu es allé là-bas au moins? Je suis allé là-bas. Son père n'était pas là. Il a croisé son grand frère. Il a expliqué, son grand-père dit non, c'est faux, elle n'a pas fait ça. Comme il a confiance, même était là, non, ta femme n'a pas fait ça. Donc moi, il ne pouvait pas croire à ça. Donc je me suis retenu à la maison. Quand son père est rentré le soir, il a expliqué à son père. Son père a appelé sa fille. Elle voulait nier. Elle dit non, c'est pas ça, on ne faisait rien, on était en train de causer. Cette femme-là, elle va tout dire quelque chose. Elle ne va jamais dire là. Moi, c'est ce qui me fait mal là. Elle me disait la vérité, parce que non, elle a eu une relation avec lui. Là. On peut pardonner. On tue le même, on pardonne. Mais quand on t'attend et puis tu mens là, ça pète ma tête. C'est dans ça, moi aussi, ça a commencé parce que il me dit que j'ai fait combien d'années avec toi, je me suis concentré, je ne cherche pas, il peut chercher à gauche, à droite, mais il me suis décidé, il dit, ah, je vais me concentrer sur toi parce qu'on a eu une fille ensemble. C'est dans ça, les pardon, elle appelait les mamans pasteurs au quartier, les papas pasteurs pour venir vers nous, mamans pardon. On essaie de se réconcilier. Donc moi, j'ai décidé, il dit, bon, si tu veux que nous deux, on marche ensemble là. Plus marcher avec ce dernier. Même qu'on ne veut plus faire. Elle dit, elle a compris. Quelques semaines après, elle n'a pas dit non, elle ne cause plus à lui. Ils sont en train de manger quelque chose. Non, toi, ta vie, c'est toi-même,
dans ta tête, attends qu'il y ait un joli garçon, un jeune comme ça. Tu n'as pas les idées, c'est les... on dit toujours telle personne. C'est ça, tu écoutes. Les on dit, et puis moi-même, j'ai des preuves souvent. Mais tu n'as pas. C'est ce qu'elle dit là, dans deux semaines. Moi, si c'est eux-mêmes qui font que ton gourmet s'élève. Écoute-moi aujourd'hui, c'est un conseil de la seule heure de tout le plus. Parce qu'en écoutant, souvent ça peut être vrai. Eux aussi, par exemple, ils sont fans de la fille. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Ils vont soulever ton cœur. Le fait que toi-même, tu l'avais déjà prise. Quelqu'un même venait vers toi pour te dire, ah, monsieur, voilà. Tu l'as dit, quitter devant moi. Comme toi, tu as la faute, tu dis, c'est naissance. Tu l'as donné des coups de tête. Il y en a qui quittaient devant toi, c'était mieux. Parce que c'est les rapporteurs, ceux qui ne voient pas, qui voient qu'ils ne voient pas, ils n'ont aucun droit. Et ils sont plein dans des quartiers précaires. Ils sont là seulement pour eux-mêmes, ils sont fans de la fille. Donc, ils ne savent pas comment il faut faire. Donc, tout le temps, ils veulent soulever ton cœur. C'est parce que tu ne les chasses pas. Parce que moi, je n'écoute personne. J'écoute seulement mon cœur. Le fait que je t'ai attrapé, c'est fini. La confiance est déjà partie. Parce que la femme n'est pas, c'est pas un objet qu'on doit partager. Le corps d'une femme est sacré. On ne peut pas aller taper de gauche à droite. Ces femmes qui jouent ce coup-là, elles sont très dangereuses. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Devant Dieu, devant les hommes, je suis resté fidèle. Jusqu'à la mort a mené mon mari. Les femmes qui ont fait des rapports, les hommes qui s'aiment, qui quittent les quartiers. J'ai vu ta copine ici, j'ai vu quoi. Souvent, ils ont l'air chez la copine. C'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'ils font pour t'énerver. Ils sont là, ils sont chaque matin, ils prient bon Dieu souvent pour aller énerver les gens. Ils prient bon Dieu pour aller faire des mensonges. Alors que ce n'est pas normal. On peut voir quelque chose d'abord, puis on dit, je vois, plus je ne parle pas. Tu dis, puis tu ne dis rien. Okay. Si tes amis la t'aiment vraiment, en réalité, ils ne doivent pas avoir le droit d'aller t'expliquer des choses. Eux-mêmes, ils peuvent aller voir vers le jeune ou bien vers la fille. Ah non, tu n'as pas fait ça. Tu avais notre ami. Ils pouvaient faire même ton palabre que de payer le transport. Pourtant, ils n'ont même pas 5 francs de manger garba. Et c'est des menteurs qui mangent d'abord les pieds de porc, la sang, qui mangent dedans. C'est eux qui font tous des maçons. Et toi, tout le temps, tu te dis, tu vas voir des papatours, ils ne mangent pas bonne chose. Si ce n'est pas bah, moins 100 francs, puis riz, 50 francs là. C'est des grands menteurs, ça. Sinon, le vrai mec qui a le temps de manger un bon plat, il met son bon vin dessus, il n'a aucun droit d'aller se déplacer, aller voir quelqu'un pour ça. Vous avez raison, mais j'avais des preuves. Mais si tu avais déjà des preuves, j'avais des preuves. Donc, dans deux semaines, elle a commencé à fréquenter encore le jeune. Donc, ça m'a décroyé, mais il me dit quoi. Donc, tu l'as laissé. Voilà. Mais tu avais un enfant avec elle. Oui, de 4 ans. Donc, moi, la vie qui m'importe, c'est pour ma petite fille, même mon petit-fils qui est avec elle là. Comment a été la situation de l'enfant? Bon, c'était un peu dur pour moi parce que j'étais seul dans la maison. J'étais obligé d'aller prendre... Tu n'as pas maman, papa, ils sont où? Tes parents? Moi, mes parents sont décédés. Eux tous? Il n'y a personne chez vous là-bas? Je vis seul. Famille là? Famille, mais chacun est dans son... Mais ta maman est partie, sa soeur est partie aussi. Il n'y a pas tante, cousine, tout ça chez vous? Ouais, mais nous sommes en Afrique. Il ne faut pas prendre tes problèmes pour aller déposer chez ta tante là-bas. Non. Même si tu es jeune comme ça, moi, mes enfants, regarde... Mes enfants, il y en a même qui sont, très jeunes, ils sont grands. Mais quand je vois qu'il y a un problème qui ne va pas, si je suis sûr, parce que moi je suis une consultante, j'ai été consultante sur la radio pendant des années, je prends ma petite fille ou bien je dis, bon, on loue une maison de mon fils, il peut s'asseoir avec sa femme là-bas. Il faut causer avec les gens, mais si tout, maman et papa est mort, tout le quartier n'est pas parti. Tu es un artiste, à n'importe quel on peut t'appeler, tu peux partir. À n'importe quel tu peux partir. Nous, les artistes, on n'a pas le temps. Donc, les programmes, tu dois... Parce que déjà, quand l'enfant n'est pas avec la mère, avec le père, l'enfant, vraiment, ce n'est pas facile à bien dormir. Bon, ce qui me plaît chez ma fille, elle était beaucoup collée à moi. Ah. Donc, ça... Mais quand tu voyages, tu la mets dans ton sac? Non, elle n'a pas dans mon sac, mais il y a Nounou, tu es là. Attends, il faut me dire que maman, j'ai pris Nounou au moins. Parce que c'est la vie des petits-enfants. Non, ils n'ont rien à voir déjà. Forcément ça. Mm-hmm. C'est dans ça que j'ai décidé de ne plus avoir de relation. Mm-hmm. Donc, il y a un pasteur dans le quartier, tu me suivais un peu, il m'amenait dans son église, il me conseillait un peu. Parce que j'avais tellement de gourmets. Il dit, moi, il a décidé de ne plus. Il me conseille, c'est ma fille, il m'en veut travailler, il vient, l'argent, il partage avec ma fille tranquille, et j'ai l'avenir de ma fille tranquille. C'est dans ça que je fréquentais l'église du pasteur. Qui t'envoie là-bas? C'est le pasteur. C'est le pasteur lui-même. C'est un consultant. C'est un pasteur. Comment il sait que toi, tu as gourmé? Mais il est dans le quartier, c'est un pasteur, il nous a vu grandir. Voilà. Donc, il connaît déjà l'histoire. Donc, le pasteur me dit. Que le pasteur va venir travailler, moi, je suis comme moi, je suis quoi qu'ici? Il serait aussi un coquin. Ouais, il est très bon. Dieu l'utilise beaucoup. Mmh. C'est dans ça le pasteur m'a conseillé un peu, viens à l'église, faut pas il trop... Il est marié au moins? Il est marié, il a 3 enfants. Ah, comme on dit, il y a les pasteurs qui se marient. Non, il est marié, il a 3 enfants. C'est dans ça le pasteur m'a conseillé, donc c'est dans ça, moi-même, à faire l'église, même était déjà découragé, donc il m'a amené dans son église. Gourmet de ma femme, il est gêné. Moi, je gêne pas comme ça, il est gêné. Quand il gêne, il dit, Dieu, arrange-toi, l'image de ma femme, là, c'est un gars qui était dans moi. Ah, c'était une bonne prière. Tchou!
Je ne jouais pas ça. Il y a jeûné pour ça. Il y a d'autres jeûnes pour l'argent. Tu n'avais pas l'argent pour manger, mais c'était un vrai jeûne. Vrai jeûne. Pas hier, gourmet, parce qu'on est en même quartier. On se croit comme ça là. Tu sais, souvent quand on gourmet. Parce qu'il y a les jeunes aussi, souvent quand on est tiers, ces jeunes là. Hein? Non. Parce que tu n'as rien à manger. J'avais l'argent pour ça manger. Ça fait partie des jeunes. J'avais l'argent pour manger. Mm-hmm. Mais je gênais ça pour, je gênais pour que Dieu enlève l'image de. Quand on demande toujours à Dieu, quand tu dis Dieu, j'ai besoin de ça là. Dieu t'offre ça. Il fait. J'ai dit à Dieu avant de mourir, il faut que ma vie, est-ce que je sois heureuse avant de partir. Dieu m'a fait une ouverture. Okay. Donc chaque fois, chaque matin, devant ma porte, devant ma chambre, mon lit, je prie, je dis merci à Dieu. C'est pour cela, un peu avec la prière, avec l'église, j'ai commencé à. Parce que moi-même, quand elle m'avait. J'étais dans un gourmet, j'ai commencé à chier femme de gauche à droite. Il dit, tu as changé, elle est vieille du quartier. T'as changé. Il dit, mon fou, on dit, il m'en fout. Il y a des dragues, on se voit, on se voit, il te tape. Mais est-ce qu'au moins tu te protèges? Tu mettais au moins les protèges? Il me protégeait. Ah d'accord. Ok, donc c'est un peu ça. Donc ma vie était devenue bizarre. Donc les gens commençaient à dire, ah petit, on prend un exemple sur toi là. Même si tu es en gourmet, il faut te calmer, femme à se conduire comme ça. Il était tellement découragé. Donc quand le pasteur commençait à me suivre un peu, il commençait à laisser les goûts de gauche à droite. Et dans ça, moi avec une fidèle de l'église, on s'est tapé à l'œil. En causant, causer, il y a sûr qu'il y a quelque chose. Bon, moi, je me dis qu'à l'église, on ne peut pas avoir femme là-bas. Il me dit qu'on s'en prie à le lui. À l'église, qui a dit qu'il n'y a pas femme là-bas? Il me dit. Tous les vrais puits, c'est à l'église, c'est adressé. C'est ça. Il me disait que non. Il ne peut pas avoir ça à l'église, donc il y a rien dans ma tête. Donc il a vu la jeune fille, souvent, elle vient chez moi à la maison, elle lave ma fille, elle est sur la maison. C'est le travail des chrétiennes, ça. Parce qu'au départ, elles se mettent devant pour faire comme si elles sont gentilles. C'est au dernier moment maintenant qu'elles montrent leur vilain face là. Au départ d'abord, parce qu'une vraie femme, dès le départ, il faut suivre ça. C'est le départ qui est important. C'est comme l'amour de quelqu'un. Et puis elle est à l'église, elles sont très dangereuses que celles même qui ne vont pas à l'église. Tu vois? Parce que déjà, quand Dieu t'a pris, quand tu aimes un homme, il faut aimer son enfant. C'est pas l'enfant qu'on saura que tu aimes vraiment ton mari. Mais il ne faut pas aimer l'homme et puis tu dis son œuf, je n'aime pas. Mais tu n'aimes pas œuf, mais tu aimes quand même griller puis manger. Donc il faut être s'attacher d'abord à l'enfant pour te montrer à l'homme. Donc le cœur, elle a joué le club de diable même pour faire le jeu, pour prendre ton cœur en compte. Donc l'église, là, d'après vous-même, les chercheurs de mari, là, allez-y à l'église seulement. Tu as fait combien de temps pour l'embrasser? 3 mois comme ça. Pendant 3 mois, et tout ce temps, tu t'en sachais, tu mettais où? Non, il me dit que Dieu avait dit qu'il a fermé dessus. Voilà, il me dit que non, elle est chrétienne. Donc elle, moi, il chrétien, couille pas. Depuis quand même, vous écrit à faire des chrétiens là-même. Qui a envoyé Cuyerie là? Il a osé en 3 mois, il a osé. Pour tenter maintenant. Il a tenté, puis elle donc, à tout ce temps, elle venait chez toi, tu faisais Awoko. Ah, il frappait les. Ah, donc tu es vraiment, toi, tu es Antoinette Conan, parce qu'elle a tapé Awoko. Non, il a trop frappé. Donc, j'ai essayé, donc elle s'approchait, on s'embrassait. Donc, il dit, ah bon, ça peut aller. Donc, c'est aller voir le pasteur. Ne pas cacher, fidèle, soit attends, le pasteur, il connaît bien lui, il n'y avait pas honte de lui. Il dit, papa, attends, ok, tu l'aimes, c'est une jeune fille aussi. C'est Dieu qui a décédé. Elle n'est pas mariée. Donc, j'ai dit, ça, il dit, bon, viens à la maison. Donc, elle est revenue à la maison. Donc, la nounou, elle est renvoyée au de lui payer chaque fin du mois, son argent aussi. Elle est renvoyée, elle est restée à la maison. C'est dans ça, moi, je mets de mes spectacles 2 semaines, 3 semaines, les voisins, ah, la nouvelle femme, tu as envoyé chrétienne, elle frappe ta fille là. Ma fille, et puis ma fille aussi. Elle... C'est qui va aller, excusez-moi. Tu vas à l'église, d'après toi, mais Dieu a pris ton cœur. On a mis l'amour, la mère est unique. Tu es venu, on t'a accepté à la maison. Tu es venu à la maison. Le bébé de 4 ans, c'est comme c'est toi-même qui l'as mis au monde. Au contraire, mais quand l'enfant même veut dormir, à 4 ans, tu la mets sur le dos, tu la crées, tu lui fais tout. Mais tu la frappes encore. Pourtant, quand tu as fini, tu as la Bible, tu t'en vas dans la main. Quand tu vois les femmes habillées ici qui sont chauves, que foulard ne met les cheveux là, c'est les diables là. Parce que l'air est tellement noir que ça ne peut pas aller. Et puis, où elle a vu que l'on faisait semblant, habille de ma fille, bébé de 4 ans, elle me dit moi d'aller payer pressing. Ils vont laver. Ils vont laver. Alors que toi, tu fais rien dans la maison. Maintenant, tout ce temps là, vous êtes tous des chrétiens, vous partez à l'église. Une nuit, tu l'as fait à soi au moins, ma chérie. Déjà, la maman petite, elle est où elle est là? Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Un bébé de rien, elle ne voit même pas sa maman. Aujourd'hui, il faut faire que pour qu'elle. Elle va avoir l'amour d'une mère au moins. Ça. Tu as une fois causé un peu avec elle. J'ai causé elle. Elle dit non, moi, je n'ai pas le temps de ça. Elle n'a pas le temps de prendre son mère. Elle a le temps que tu la couilles. Que d'appeler sa maman, de temps en temps, le week-end, à venir. Non, elle n'a pas le temps de t'occuper de ton enfant, mais elle a le temps de soulever ses pieds à chaque fois, tu vas la couiller. Elle a ce temps-là. Elle a ce temps-là. C'est toi qui as donné ça, le pouvoir à cette fille, mon fils. Parce que moi, la seule, dès le départ, tu as maltraité mon enfant. Sur place, j'ai eu 2 choses, on ne se sépare. Dieu n'a pas dit forcément, si tu ne veux pas, il faut prendre. Quelqu'un, tu es quitté, vous êtes quitté devant Dieu. Dieu même a écouté vos paroles, que les deux doivent être unis. On t'envoie un enfant de 4 ans. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Et puis toi, tu le laisses laver ses habits.
Tu ne toucherais même toi, mais il avait, elle n'avait pas tes dessous. Elle dit, non, c'est elle. Elle s'est dit quoi? Elle dit, toi, tes habits loulou, des artistes là. Tu vois, il est lavé. Tu vas dire, non, j'ai fané ça. Toi-même, donc, je prends ça pour aller au pressing. Toi-même, tu es un mazo. Tu adores que la femme te maltraite. J'adore pas. Moi, mais tu es mazo. J'aime shooter la femme. Non, tu ne suis pas. Tu suis toi-même ta vie. Parce que quand elle est une réalité, tu aimes susciter. Femme qui te maltraite! Moi-même, je t'ai vu, mais je pensais que tu étais une femme, tu es trop jolie. Hein? Tu as te fait maltraiter par une femme. Parce que toi-même, ton propre femme, tu l'envoies dans la maison, tu vas la chuchu. C'est ton dessin animé ou bien c'est poupée de la maison. Elle fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu n'as qu'à dire la vérité. Mais ma chérie, si tu vois que ça ne va pas, c'est à cause de mon enfant. L'amour est réel parce que je veux que mon enfant soit quand même à une mère à la maison. Hein? Il y a des femmes aujourd'hui qui ont élevé des enfants, ils disent ces enfants ne connaissent même plus leur maman. Tellement qu'ils ont pris tellement bien. Moi, je connais une cousine qui a élevé son enfant, qui a élevé l'enfant de sa rivale. L'enfant, aujourd'hui, est devenu policier. Il a payé une maison pour donner à la malade de sa maman. Là. La femme qui l'a éduquée. Le comportement d'une femme, souvent, on est quand se dit, il y a des femmes souvent, bon, il y a des femmes, mais souvent, elles mangent à table avec le mari, qui est la nouvelle, elles mangent à table, et puis les enfants mangent dehors. Souvent, même là. Souvent, le monsieur mange riz sachet, et puis les enfants mangent d'incassia. Souvent, tu arrives dans certaines maisons, monsieur et madame dorment dans le climatisé, et les enfants dorment au dehors, sur ventilateur, bien, et ventilateur bien sans même bougie, parce qu'il a vu une nouvelle femme. Donc, les hommes aussi, souvent, comprenez. Quand tu es une femme, dès le départ, il faut lui dire la vérité. Si tu aimes mes enfants, on va passer tous nos biens, parce que c'est eux qui sont venus en mission pour les déposer ici. Mais si c'est pour maltraiter mes enfants que j'attends de gauche à droite, un matin, il faut forcément souvent dire la vérité aux femmes. Parce que souvent, les femmes jouent le jeu. Au départ, elles te montrent un caractère comme si elles étaient bien. Mais avec le temps, il faut rentrer. Si tu as vu qu'il y a plein, il y a des gens qui se marient à midi, et puis 14 heures, ils divorcent. Parce que la femme n'est pas claire dans ses œuvres. Quand tu aimes une personne, il faut l'aimer. Dans mon restaurant, tu arrives à Lokwa, vous arrivez à Nyangon, à droite, Lokwa. Mon maquis, on appelle ça, prends-moi par derrière. Dans le village de Topé, dans le village de tous les chefs, moi, mon nom là-bas, on ne me connaît pas la seule là. On connaît la vieille, mais prends-moi par derrière. Il y a des fous qui passent. Je les sers, je mets sauce. Je les donne souvent. Mais on me dit, il ne faut pas les donner à boire. Il dit, ce fou-là, je priais toujours pour toi. Tu es jeune, c'est le vieil ou bien le vieux qui doit être fou. Mais là, je ne peux pas être fou. Même au carrefour ici, que le carrefour des engrais ici où je travaille. Il y a un fou qui s'assoit là, mais quand je le vois, je le fais à tout, je paye le truc, je lui donne. Parce que c'est la mère qui doit toujours prier pour ses enfants. Le diable n'a pas le pouvoir sur les enfants de quelqu'un. Les enfants, c'est les mêmes femmes. Il n'y a pas femme blanche, il n'y a pas femme américaine. Femme, c'est femme. Tu dois accepter ton enfant. Tu vois, si tu as un enfant qui est fou, prie pour lui pour que le diable, parce que le diable aujourd'hui fait le combat aussi avec Jésus. Il fait le combat, mais le Jésus sera toujours dessus. Le diable n'a pas de pouvoir. Tu aimes ton mari, tu n'aimes pas son enfant. Moi, j'ai lavé les caleçons de Nyankouli. Je lave ses caleçons, mon mari Nyankouli. Personne ne touche sa nourriture, c'est pour ça en nourriture, je suis forte. Je suis une grande cuisinière, cordon bleu. Moi, je prépare. La nourriture, c'est de là, il n'y a pas Yikouya dans ça. Parce que si tu ne prépares bien que ton mari mange toujours bien, tu verras qu'il ne va pas aller dehors. Mais vous jouez le jeu pour faire comme vous les aimez. Arrivez, vous changez de... Quand vous n'êtes pas encore rentré, vous changez de comportement. Maintenant, c'est quand vous rentrez maintenant, vous montrez grand-gagnant pour dire voilà comment je suis. Sur les plus belles femmes, c'est à l'église. Mais les plus compliquées du monde. On a un cousin qui avait une femme comme ça, pour rien dire, mon pasteur, il est resté à l'église. Il peut faire 4 ans, il ne couche pas avec elle. 2 ans, il ne couche pas avec elle. Il est venu me voir, il dit, tu connais le médicament de Jésus? Viens, je vais te montrer. Comme elle est sur Jésus, nous on est diable, je vais te montrer le mégament de Satan. Trouve-toi une copine, envoie à la maison. Il dit, c'est la seule loi. Il dit, mais elle dit, elle ne vient pas, que le pape. Dieu lui a dit de s'asseoir là-bas. Elle a pris une copine, il a pris une copine, quand la femme l'a compris, net, en même temps, la fille, elle est venue. Le temps qu'elle arrive, le monsieur s'est marié légalement, elle, la dame. Donc le mégament des chrétiennes, là, c'est d'avoir 2 go. Tu as 2 go là, elles vont se redresser. Dieu parle à tout le monde. En plus de cela, il s'est allé voir le pasteur. Il dit, ah. Ma nouvelle femme, là, voyez ce qui se passe par rapport à ma fille. Le pasteur l'a interpellée. Mmh. Elle dit non. Déjà, même, elle est en train de rencontrer un peu à ses camarades fidèles de l'église. C'est pas mon enfant. Donc, moi, de me tuer. La fille, tu as fait l'enfant, là. Elle avait chier Mais quand elle a dit ça, c'est rentré dans tes oreilles, là. C'est dans ça, mais ça a gâté ma tête. Mais dit, et en même temps, tu l'as laissé. Si c'est ça, là, hier, c'est sûr, elle est ma fille. Mmh. Parce que je voulais essayer encore d'autres chances pour être en couple. Mais la même chrétienne, même, comment tu te comportes? Dans l'amour, il n'y a pas chrétien. Non, il me dit que non,
Puis moi, il me dit que non, comme c'est une chrétienne. Il y a des femmes qui ne vont pas à l'église. Elle pouvait, elle mais pouvait, quand même, elle, au moins, elle, elle partage. Au moins, faire quelque chose de c'est ça, souvent, ça la jeunesse, c'est ce que vous trompez. Donc, comme c'est une là, chrétienne. Moi, j'ai pris une chrétienne dans ma maison. Je t'ai dit, comme c'est une chrétienne, c'est la servante. Mais déjà, c'était la volée de tous les chrétiens du monde. Et toi, tu vas aller, tu cours à la parole de Dieu, puis tu voles. Donc, à l'église là-bas, là, c'est une maison comme la Maca. Il y a tous les comportements dedans. Quand vous voulez prendre une femme, si c'est pour vous que Dieu a donné, laissez Dieu même faire son temps. Si il y a une vraie femme, au contraire, celle même que la femme n'est pas pour elle. Regarde, j'ai une amie, elle s'appelle Florence, je l'appelle ma fille, son petit frère, c'est un nain. Un nain, c'est un artiste, il a fait, si tu vois sa femme, elle est grand détail. Il a fait enfant, il a fabriqué encore un nain pour faire sortir. Mais elle se prend, parce qu'elle aime son nain, là. Quand tu la vois, Alino, avec sa femme, il est en bas comme tabouret, hein, mais la femme, elle est grand détail là-bas. Est-ce que tu vois? Donc, elle a pris petit nain aussi, ça veut dire avec tous les enfants d'Anine, c'est le nain club. Et tous, il n'y aura pas un longueur club, tout est le nain club là-bas. Il a pris son nain club là, elle se promet à lui. Parce que c'est l'amour, elle est malin. C'est le petit frère de Florence et le petit frère de Rose. Donc, il faut te dire, une femme qui n'a pas ton enfant, tu lui laisses. Une femme qui ne peut pas te faire manger, tes dessous qui ne peut pas les laver, c'est pas vrai amour. Je ne peux pas avoir une femme à la maison. C'est d'accord, mais pas des droits des femmes. Chez moi, la seule, les droits des femmes n'existent pas. Le droit des femmes, c'est l'homme qui doit avoir un droit. La femme sur la terre n'a aucun droit. Le droit qu'elle a, c'est pour surveiller sa maison, donner des idées à monsieur. Demain, qu'est-ce qu'on va laisser aussi pour que les enfants puissent nous retrouver. Mais la femme n'a aucun droit pour dire, mon mari, tu es payé à combien? Pourquoi? Chez moi, ce droit-là, moi, je ne fais pas partie. Si c'est ce droit qui a été légalisé dans ce monde ici, moi, la seule, je dis non. Parce qu'on ne doit pas donner la valeur aux femmes à raconter d'une autre quoi aux hommes. La femme doit être toujours soumise devant un homme. Elle n'a aux femmes de... Même quand ton mari est en train de t'insulter, tu sors. S'il vient vers toi, mais tu cours. Nous, notre temps, on courait, on quittait devant eux. Ton mari t'insulte, puis tu as la tête baissée. Mais lui-même, après, il vient vers toi. Ah, tu m'excuses. Parce que l'homme veut te voir toujours être roi. Mais ici, là, quand tu es pas, elles ont des coulants, jusqu'à elles donnent des phases même aux hommes. Tu as vu souvent, il y a des femmes qui ont les dents qui tournent, les bouches sont penchées là. Ce n'est pas maladie, c'est coup de poing des hommes là. Quand tu es impoli, on t'enlève ça. Donc quand tu es une femme, tu es trop jolie. Pourquoi tu as te laissé maltraiter par une femme? C'est la meilleure solution. Même si ta maman ne vit plus, tu donnes l'enfant à une de tes cousines. Au moins, chaque jour, tu envoies tes 1000 francs. Au moins, c'est... Parce que l'enfant, je dis, ton goumé que tu as, bébé aussi a goumé. Parce qu'il ne se retrouve pas. Il ne voit pas sa maman, il ne comprend pas comment son bébé, mais il a eu goumé plus que toi, c'est pareil, il ne peut pas venir s'exprimer ici. C'est lui-même qui a eu le goumé, parce qu'il voulait la chair humaine, il voulait chaleur humaine comme ça, dormir auprès d'une maman. Parce que les bébés, quand tu les mets tout trop, deux fois, trois fois, ils s'habituent à toi, c'est fini. Quand il va la voir, mais il va aller vers elle, et puis carrément, il n'a qu'à envoyer l'autre. Et toi, mais quand c'est pour la couler, là, il ne dit pas, il faut prendre notre go. Comme son cuillement aussi était trop bon, tu as oublié même que c'était à l'église, tu l'as prise. Ouais, donc maintenant, tu es déçu d'elle seulement, mais pas de toutes les femmes. Ouais, d'elle. Tu vas toujours tenter. On peut se marier à 50 femmes, et puis 51 femmes peut être pour toi. Peut-être que c'est Dieu qui a décidé, sinon actuellement, je n'ai pas la tête sur... Ça fait combien de temps que tu ne fais pas l'amour? Ça fait, on va dans 6 mois. Non, ça veut dire qu'il y a plein de sachets dans ta douche là-bas. Hein? 6 mois, tu ne cuis pas. Non, écoutez, ne plains pas les gens pour ça, ça fait rien. 6 mois. Parce que l'amour même m'a décidé à décourager de ça. Mais non. Pour un jeune de ton âge qui est décroyé d'amour de 6 mois, c'est la seule loi ici, là, non. Moi, je ne suis pas dans ton film, là. Elle a décidé d'aller voir le pasteur. Quand tu vois un homme qui dit, bon, ça fait 2 mois déjà, en marchant sur là, tu vois que son bavon est gonflé. Pourtant, il n'a pas diarrhée. C'est le sperme qui est concentré là-bas. Vas-y. Donc, elle-même, elle a vu que non, elle était en erreur. Elle a voir le pasteur pour dire que non, elle ne se sent pas trop à la maison. Mm-hmm. Avec les jeunes, ils sortent beaucoup. Elle veut même maintenant, si ma carrière musicale, je n'ai pas le temps pour s'occuper de sa fille. Ce qu'on maltraite ton enfant, c'est ton sang, on maltraite. Voilà. Tu ne peux pas m'aimer puis ne pas aimer mon enfant. Donc, elle-même, elle a vu que non, il n'y a plus d'amour réel. Elle a voir le pasteur. Elle dit non, elle va quitter la maison. Elle ne se sent plus que là-bas, il y a trop d'attaques. Elle ne sait pas où il y a d'attaques. Elle va mentir si elle attaque. Donc, concernant ça, elle-même, un matin, elle dit non, elle prend ses bagages, elle est partie. Donc, actuellement, là, je suis libre. D'accord. Je suis libre. Donc, c'est là. Elle-même qui a pris ses bagages. C'est elle-même qui a pris pour ses rien comme ça, on ne peut pas prendre les bagages. Tu as fait quoi dans ça? Ça s'est basé sur quoi? Par mon comportement vers elle. Avant. À cause de l'enfant. Ouais, à cause de l'enfant. Avant, il était bien chez elle. Elle a vu que non, j'ai commencé à me retirer. Les appels. Jamais que je n'ai pas appelé 5 fois par jour comme ça. Mais ce n'est pas normal. Pour un bébé de 4 ans, c'est du criminel, voilà. Ça. C'est ça. Donc, elle a vu un peu que non, c'était pas trop ça comme avant. Donc, elle-même s'est retirée. Et moi, je dis pas mettre à femme. Toi-même, par mon comportement, t'as quitté. Oui. Voilà, dans ça, elle-même. Tu es née d'une femme, donc voilà. Tu peux jamais chasser une femme. Voilà.
Vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Mais c'est pour te dire que prochainement, avant de prendre une femme, fais très attention. Il faut l'étudier longtemps. Parce que si tu ne veux pas étudier la femme, que tu es rentré dans le jeu des femmes, tu fais toujours avoir. La femme qui se fait semblant plus gentille, si elle était gentille, on l'a elle à prendre dehors. Est-ce que tu ne veux pas avoir du diamant comme ça, puis on va dépasser. C'est parce qu'elle a un comportement, elle brille, puis personne ne s'approche pas. Donc, dès le départ, il y a déjà eu des parents qui ont fait 60 ans de vie sans mariage. C'est dans 70 ans qu'ils se sont mariés parce qu'ils se connaissaient mieux. Il y a des gens, même moi, chez moi, à la maison, Nyankuri, tu arrives, quand mon mari, moi, on se regarde comme ça. On sait déjà, je sais comment on va recevoir notre visite. Est-ce que tu vois? Nyankuri qui est couché dans le sol aujourd'hui, que Dieu toujours le met à son côté, il n'a jamais lavé son slip, sa nourriture, non. Peut-être s'il va, il va en France, dans les pays des Blancs, mais en Côte d'Ivoire, si Rigobert va manger dehors. C'est pas vrai. Tu demandes même mes beaux-parents, les guébiers, ils vont te dire, il y a plus un moment qui fait sauce graine là. Parce qu'en graine, moi je ne joue pas. Et puis je n'aime pas faire sauce où la servante joue dedans, mon mari va manger. Je sors de ma chambre, je ferme, parce que j'ai dit à toi, mon mari était tout en désordre. Il laissait ses slips traîner, donc il vient toujours son placard écrasé. Il dit, hey, maman arrangée, maman arrangée. J'aime beaucoup la propreté. Donc les femmes, le cœur, on ne peut pas déchirer le cœur d'une femme pour voir dedans, pour voir qui tu es. Quand tu aimes réellement une personne, il faut commencer par son entourage. Il faut aimer son entourage. Et encore, il faut aimer son sang. C'est son enfant. Et les amis qui sont là à côté aussi, les rapporteurs là. Arrêtez bientôt même. Tout la brousse, ils ont vendu. Vous allez enlever les feuilles de manioc pour manger là. Parce que les menteurs, c'est les mangeurs de feuilles de manioc. Ils ont mangé feuilles de manioc 100 francs, un pied de porc qu'on a cuit dedans là. Et ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils sont assis là pour faire des rapports. J'ai ta femme là, mais vraiment, toi-même, tu es fort. Hein. Pourtant, lui-même, il ne bande pas. Hein. Mais il est au courant des problèmes des femmes. Les papatouilles là, arrêtez. Les papatouilles, arrêtez. L'église, tout le monde va à l'église. Moi, ma prière, je sors, je demande mon lit, je prie. J'ai franchi mes jambes. Ah Dieu, c'est sur toi, je compte. Je m'en vais. Mais tu vas te mettre là, maltraiter enfant de ton ami, ça ne peut pas aller. Et tu refuses même de laver les habits de ton mari. À la maison, c'est toi, tu es sa mère, tu es sa soeur, tu es tout pour lui. Hein? L'argent qu'on prend pour aller au pressing, on peut prendre pour faire autre chose avec ça. Hein? Pour les mêmes savons qu'on lave les habits là, hey, ils vont prendre Kabakou là-bas, laver tes vestes là. Tu vois, il y a des vestes souvent qui ont deux couleurs là, c'est Kabakou qui a lavé. Ce n'est pas tous les bons pressing qui prennent les choses en compte. Il n'y a rien de tel quand l'homme quitte au dehors, qu'il rentre, qu'il entend de voir sa femme faire son. Et il lave ses habits. Il voit que la femme a nettoyé sa table. Papa, tu vas manger. Chérie, tu vas faire ceci, cela. Tout ça, c'est l'amour. Mais vous êtes là, vous êtes agressif, vous faites semblant de jouer le jeu. Quand vous lancez la clé de la porte, c'est fini. Donc, la jeunesse, nous, notre temps est passé. Mon temps est passé, mais ma voix reste toujours. Et je vous dis que je suis venu à une mission. Bientôt, je repars. Mais il faut que moi, mon film, ça soit toujours continuel pour que les certaines personnes comprennent. Parce que je n'ai pas resté tellement, je me suis trop avancé. Mais ce film, à chaque fois, ils vont toujours bisser sur les antennes et ça va vous faire comprendre. Ne jouez pas le jeu. Vous faites semblant comme ça. S'ils me laissent, l'autre va, mais ils ne vont pas te prendre. Qui est dehors là-bas? Après, vous partez, vous regrettez. Les hommes sont tous des hommes, mais chacun a son culot qui pèse. Quand il y a des gens, ils sont. Même la femme, tu peux être prostituée, tu peux être tout. Quand l'homme t'aime là, il ne s'occupe pas de quelque chose. C'est quand tu le blesses maintenant qu'il se retire. Est-ce que tu vois? Et vous les respectez là au moins? L'homme, même s'il n'a pas à manger, mais il veut voir que celle qui vit avec moi, elle doit manger. Il faut qu'on dise que c'est ma copine qui est là. On fait tout pour vous, mais au dernier moment, vous les fatiguez. Les hommes, c'est vos pères, vous aussi, vous êtes les mamans. C'est rare de voir un homme qui va dire, je n'aime pas une femme. Souvent, mais il ne va pas t'aimer, hein, mais il est obligé de sortir avec toi et puis penser à celle qu'il aime pour pouvoir faire l'amour avec toi. Parce qu'il ne peut pas te dire, je ne veux pas. Ce n'est pas facile. Mais vous-même, le vrai comportement, montrer ça aux gens, là, il sera qui ils sont. Mais tu fais semblant comme ça pour dire, ah, c'est comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, tu as fait que le bébé, il ne se retrouve pas. Sa maman aussi, on ne sait pas où elle est. Le monsieur, c'est un natif, il cherche sa vie. Hein? Il est en train de chercher son avenir. Demain, il n'y a pas quelqu'un qui est né pauvre. On apprend toujours comme ça pour être riche. Tout le monde a commencé bas. Tu n'es pas né aujourd'hui, puis tu es devenu président. Tu as commencé bas jusqu'à puis ton leur arrivée. L'homme ne souffre pas sur la terre. Dieu nous montre les exemples. Il faut passer par ça pour te retrouver sur la terre. Donc, mon fils, vraiment, je suis très content que tu sois là. Ton artiste, tu seras encore mieux même que ça. Le fait que tu penses à ta fille, Dieu même, tu vas te donner la force. Mais c'est mieux de reprendre à elle un moment de ta fille. Ce qu'elle a fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que c'est elle seule qui peut quand même s'occuper de son enfant. C'est elle seule. Il faut la pardonner en tant que ta mère, en tant que ta grand-mère. Pardonne-la qu'elle va voir
de temps en temps, tu vas lui donner l'enfant, vous allez le causer. Toi-même, tu as dit qu'on tue, puis on pardonne. C'est pas pour ce qu'elle a fait. Elle a posé un sans se rendre compte. Peut-être qu'elle a posé ça aussi pour voir si tu l'aimes vraiment. Il y a des femmes qui aiment taquiner pour voir vraiment si mon mari aussi il me regarde. Mais à cause de l'enfant, la fille, un matin, elle est ministre. Voilà, en l'autre, elle est ministre de mon village. Femme qui est ministre. Donc, demain matin, elle va être quelque chose. Mais si tu dis, bon, toutes les femmes, dans ça, là, un jour, Dieu va t'envoyer pour toi-même. Mais mets ton idée sur la, ton émission que tu fais, tes spectacles que tu fais là. Il faut te relaxer. Parce que quand tu as des soucis, que tu t'en fais, hein, tu vois qu'il y a des artistes souvent qui tombent sur scène. Hein. On pense qu'on les empoisonne. C'est parce que tellement qu'il a le goumé, il ne sait même plus où il va s'arrêter. Il laisse le micro et puis il glisse de l'autre côté. Donc, il faut libérer ta tête. Reste tranquille. Donc, je vous dis merci. Okay, merci. Vraiment. Ça a voulu vous maintenant de comprendre. Je dis merci à la seule Laure de tout le pays, la maman des enfants de Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique. Mm. Maman, merci beaucoup pour le conseil. Merci, mon fils. Et Dieu vous donne longue vie. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis très heureuse aussi que tu sois quand même venu à mon émission Gourmet Sucré. Je suis très, très heureuse. Et chaque soir, j'espère que dans la semaine encore, tu seras toujours dans mon antenne ici. Merci. Vraiment, je te dis merci. Et merci aussi à Gourmet Sucré. Suivez Gourmet Sucré chaque 22h, vendredi, chaque 22h. Vous allez toujours voir la seule en direct. Bonsoir.